اوكي، السلام عليكم الدراري. اليوم فيديو جديد عاوتاني ل 2015 استدراكية. اذا نتمنى تحطوا حداكم الناسيونال ديالكم ولا تيليشارجيوها، نخلي لكم ان شاء الله في الديسكريبسيون. نبداو على بركة الله. Première partie de chimie. Étude d'une solution d'acide éthanoïque. Étude de la solution d'acide éthanoïque. Calcul de taux d'avancement. Calcul de CH3COO H plus H2O. CH3COO moins plus H3O plus. Tableau d'avancement CAVA CAVA moins X équilibre. D'après la définition de la conductivité, lambda, il y a lambda 1. Donc, il y a lambda 1. Concentration de CH3COO moins Arsenic lambda diel concentration diel H3O plus concentration diel diel concentration diel et sigma par la canemelo biom directement le pH ou moins log diel H3O plus ou moins log diel sigma à la lambda 1 plus lambda 2 égale 3,4. Là l'image de sera le calcul du taux d'avancement final x équilibre taux ou x équilibre à la x max ou x équilibre il y a la concentration de H3O plus fois V à la CA fois V lisse à la puissance moins pH à la CA donc taux il y a 4%. Donc l'expression de pKa et sa valeur Ka il y a concentration d'IL donc l'IGL à droite, elle a les à gauche. Ok. D'après le tableau d'avancement, on a la concentration d'IL CH3COO moins, il y a la concentration d'IL H3 plus, il y a X équilibre à la V, il y a 10 à la puissance moins pH. Donc CH3COOH, il y a CAVA moins X équilibre à la VA. Donc CA moins X équilibre à la VA égale à CA moins H3O plus. Donc CA égale moins 10 à la puissance moins pH. D'où le Ka, il y a, donc le pKa, il y a le moins log d'IL, il y a 4,8. Deuxièmement, synthèse d'un ester. Première question, le rôle de l'acide. L'acide sulfurique joue le rôle d'un catalyseur. Il accélère la réaction. Le rôle de l'eau glacée est de figer la réaction. Arrêter la réaction. L'eau glacée, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'acide éthanoïque. L'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et la solution d'hydroxyde de sodium. CH3COOH plus HO moins, CH3COO moins plus H2O. La bonne réponse est NAF. Troisième question. A, B, C, D. Attends, B. À une température donnée, la vitesse volumique de la réaction diminue au cours du temps. Question 4. Écrire l'équation chimique modélisant la réaction d'estérification. Donc, l'équation de la réaction d'estérification, CH3COOH plus AROH, il y a CH3COORH2O. Cinquièmement, déterminer la vitesse de la vitesse volumique. Détermination de la valeur de la vitesse volumique à t égale à 0. D'après la définition de la vitesse volumique, V égale à 1 sur V, D2X sur DT. Donc, X égale à 0,2 moins N. Donc, D2X sur DT, il y a moins D2N R sur DT. V égale à moins 1 sur V, D2N R sur DT. Avec t égale à 0, V0 égale à moins 1 sur V, theta N sur delta T. L'application numérique. Ok, détermination de la valeur de T1/2. Quand il faut à l'instant T1/2, on a x de T1/2, il y a x final et la jauge. On sait que n a 0,2 moins x final, donc x final il y a 0,2 moins nRF. Donc x de T1/2, il y a x final et la jauge, il y a 0,1 moins n sur 2. Graphiquement, on a T1/2, x de T1/2. 0,1 moins 0,08 sur 2, il y a 0,06 mol. On détermine T1/2 dans N, il y a 0,2 moins X de T1/2 égale 0,2 moins 0,08, 0,06 égale 0,14 mol. Graphiquement,
n restant de tn demi est 0,14, correspondant à tn demi égale à 42 minutes. Il a expliqué la mienne. C'est bel com. Donc, je vais vous dire que vous avez tout le polycope de l'air. Ok. Moraha, nous avons une question 7. Je vais calculer le rapport. Rapport ou N expérimental à la N max. La quantité de matière de l'ester obtenue à la fin de la réaction d'estérification est X final égale à 0,2 moins N. X final est 0,2 moins 0,08 égale à 0,12 mol. R est X final à la X max. Donc il y a 60%. On refait l'expérience. Expérience précédente, terminer à l'équilibre les quantités de matière de l'ester. Quantité de matière de l'ester formé et d'acide restant, on calcule d'abord la constante d'équilibre. Constante d'équilibre, il y a l'acide alcool, elle a ester H2O. Donc il y a dit O carré, elle a dit O carré. Donc K, il y a 2,25. La composition initiale du système, il y a N, il y a 0,3 mol, ou N de l'alcool, il y a 0,2. Tableau d'avancement, 0,3, 0,2, l'alcool, l'ester, 0,3 moins X équilibre, 0,2 moins X équilibre. Donc la constante d'équilibre ne dépend pas de la composition initiale du système. Donc K, il y a X équilibre prime au carré, il y a 0, sur 0,3 moins X prime équilibre, fois 0,2 moins X équilibre. Donc, il y a la Torahia X prime équilibre au carré. On effectue le calcul, on trouve que, on trouve Hadi, X au carré, plus X plus la constante égale à 0. Je nous ai comme Hadi, Flamat, on résout la. L'équation, il y a deux solutions. Il m'a dit au carré moins la racine de delta sur 2a ou là, c'est ni moins. Donc, ce que je n'ai pas là, 0,75 ou et la solution convenable, il y a dit 0,x équilibre 2 sera 0,2. Donc, n de l'ester, il y a 0,142 mol. N de l'acide, il y a le naqis 0,3, l'initial, il y a un naqis sur x équilibre, qui est 0,158 mol. Donc, physique, 13 points d'IANA. Choisissez la réponse juste. Ou A ou la B ou la C ou la D ou la E. Qaraouhom ou la mafhem touchi ou hadak sbouali fil commentaire, nfsserouha. Donc, voilà qui est là. Il y a la réponse A. L'indice de réfraction d'un milieu transparent dépend de la longueur d'onde de la radiation monochromatique. Justification Beina. N il y a lambda 0 sur lambda avec lambda la longueur d'onde dans le milieu transparent et lambda 0 la longueur d'onde dans le vide. Deuxième question, calcul la variation de l'énergie. Delta E il y a HC sur lambda 0. Application numérique. Je vais vous montrer les données. Mzien, l'arhamel walidin. Je vais vous faire moi dire là et des données. Donc, qu'est-ce que je le coupe? 1,96 10 à la puissance moins 6 mégaélectronvolts. Troisièmement, cette radiation appartient-elle au domaine du spectre visible? Justification, l'intervalle du spectre visible, marrow, fadash, tif, meshtuf, le cours, 400 nano ou 800 nano. Donc, la radiation de longueur lambda 0, yestmia, koutesoglésine, appartient au spectre visible. Deuxième question, calculer la fréquence. La fréquence lambda ISC sur lambda 0, donc 4,74 10 à la puissance 14 Henley. Ok. Troisièmement, terminer pour cette radiation la vitesse de propagation et la longueur d'onde lambda. Donc, NV, il y a C sur N égale à 1,96 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1.
Donc lambda est à 393,16 nanomètres. هنا حطوا لكم واحد السؤال ثقافة عامة تيبغيو يعرفوكم واش فاهمين 0.5 عليه كتجاوبوا on observe des taches qui s'étalent du rouge au violet. C'est le spectre de la lumière blanche. Cette expérience met en évidence le phénomène de la dispersion de la lumière avec un prisme. يعني كتعطي جملة بسيطة وباينة تاخد نص نقطة ديالها. Exercice 2, électricité. Première question. Identifie parmi les courbes. Donc, la courbe T2, qui fait mettre le chauffe-eau, représente la tension UC, car à T égale à 0, UC égale à 0. Par contre, la courbe T2 représente U2 plus U2, je me dis, UC plus UR. OK? Donc, elle dit, l'oula, la T1, la n'yéhad. D'accord? Deuxièmement, l'équation différentielle. Lorsqu'on bascule l'interrupteur dans la position 1, c'est-à-dire la position 1 floue, la loi d'additivité des tensions, ça se calcule بحال ديما كيف تعلمتوها وكيفما كل فيديو كنشرحها. Donc هادي زائد هادي زائد هادي égal à E. Donc ça se tعوضو avec ID de Q sur DT. Oui, c'est de UC sur DT. On obtient alors, il y a l'expression, en régime permanent, D de UC sur DT égale à 0. Donc UC égale à E. P constante. Après, on a un 3 montré que l'expression de l'intensité est I0, il y a E sur R plus R, petit r. À T égale à 0, on a UC égale à 0 et I égale à I0. On remplace dans l'équation 1, on obtient alors R plus R fois I0 plus 0 égale à E. Donc I0 égale à E sur R plus R. Alors plus ou moins, il y a l'expression d'IRM, c'est qu'on a le régime par l'état. C'est ce qu'on a, elle a les résistances que l'on a. 1, 4, détermination de la valeur de R. On lit sur la courbe T, ou A, parce qu'on a la raille d'IRM. L'ADA au régime permanent E égale à 6. On lit sur la courbe T2 à T égale à 0, U2, 0, il y a UC, 0 plus UR, 0 avec UC, parce qu'on a U2, UD à T2, il y a UC plus UR. Donc UR, 0, il y a R fois I0, d'où UL, 0 égale à R, I0. Soit finalement U2, 0, il y a R fois E sur R plus R. Donc R. L'application numérique, c'est ce que je compte R, il y a 10 oméga. Calcul de C0, montré au marron à 5 microfarad, c'est pour facilement. La constante de temps du dipôle s'exprime par la relation taux, il y a R plus R, C0. Donc C0, il y a taux R plus R, donc il y a 5, 10 moins 6 farad. Il y a petit micro, il y a 10 moins 6. Étude du circuit LC idéal. Idéal, il y a une les pertes, la courbe qui d'air. Première question, établir l'équation différentielle. Lorsqu'on bascule l'interrupteur sur la position 2, on a l'idée UL plus UC égale à 0, L D de I sur DT plus Q sur C égale à 0, donc L0 D de I au carré sur DT au carré plus D de Q sur C0 DT égale à 0. D seconde I au carré D de T au carré plus 1 sur L0 C0 I égale à 0. C'est l'équation différentielle que vérifie l'intensité I. Deuxièmement, 2. Attends, on a la solution. On s'est mis là. Il y a bien, je vais dire, à T égale à 0, if 0, quand on a un donné, et if T finit à T, quand on a 0. Cosinus phi égale à 0, donc phi égale à plus ou moins, puis sur 2. À l'instant T égale à 0, on a UC 0 égale à E. Avec I, il y a C0, D de UC sur DT. Donc D de UC égale à 1 sur C0, I, D de T. Égale à 1 sur C0, I, M, cosinus de pi T sur T0, moins phi, DT. D'où UC égale à T0, de pi, 1 sur C0, I, M, sinus de pi, T, T0, plus phi. À T égale à 0, on a UC, ah, il y a, idem C, phi, supérieur à 0, donc... UC, quand on parle de l'expression cool, il y a heavy. Troisièmement, l'énergie en magasin. La puissance s'exprime par la relation P. Il y a U fois I.
avec phi, il y a pi sur 2, où il y a d2q sur dt. Donc, p, il y a q, c sur c, d2q sur dt. هادو بحال هادو خذوهم توليو تتعرفوهم ما تضيعوش فيهم الوقت عاد تفكروا فيهم لا داكور دونك دو كار كالكولي لينيرجي الكتريك ماكسيمال او ام ماكس لينيرجي الكتريك ان ماغازيني دون لو كوندونساتور سيكسبريم بار لا ريلاسيون بي دي تي او سور دي تي هي كيو سور سي دي دو كيو سور دي تي دونك هي الانتيغرال من 0 لكيو Q sur C, D de Q sur DT égale à 1 sur 2C, Q au carré. À l'instant T égale à 0, U sur 0 égale à E. Donc, E max, il y a 1 sur 2, C 0, E au carré. Nous allons obtenir I max. L'énergie emmagasinée, E, il y a EM plus EE. Il y a 1 sur 2, le condensateur plus la bobine. Lorsque E est minimal, EM est nul. Il a une valeur maximale, une valeur nulle. Et vice-versa. Donc E égale à 1 sur 2, L0, I max au carré. Donc c'est la racine. On détermine la valeur de L à partir de l'expression de la période. T0, il y a 2π. La racine de L0, c'est 0. Donc L0, bien à l'expression de LH. Donc, on a I, L0 ou I max, c'est ce que je n'ai eu de pi sur T0, la racine de jauge E max, c'est 0. Ou graphiquement, tout le reste T0. Mais ça m'a les amplitudes, m'a l'amortissement. Donc, T0 égale à 5 millisecondes. Graphiquement, je vous remercie, je vous remercie facilement. IM égale à 3,77 10 moins 2 ampères. ندخلو هنا لواحد لابارتي اللي صعيبة شوية لي زوسيلاسيون فورسي لي زوسيلاسيون فورسي لا كوب ريبريزونتون ار فهاد هنا فهاد الكراف هذا شنو هي اون سي كو زد اي سوبيريور ا ار دونك زد اي ام اي سوبيريور ا ار فوا اي ام دو يو ا بي اي سوبيريور ا يو ار ام دونك لا كوب 1 ريبريزونت يو ار ها هي فهاد صغيرة شوية Détermination de la valeur de Z. Wow. Deuxième question. L'impédance. Maintenant, UR égale à R fois I, ou UAB égale à Z fois I. Donc, UAB sur UR égale à ZI sur RI égale à Z sur R. Z égale à R, UAB sur UR. D'après le graphe UR, il y a 500 volts. Voilà, 500. Ou UAB 6, il y a double. D'accord? Ou d'où Z, il a une hénère. Il y a 40 ohms. Troisième question. L'expression numérique de l'intensité. I, il y a I max cosinus de pi sur T0, T plus phi. Est-ce que l'imam a un nez? Hatta. Raouliti, hafda. Donc T0. Il y a 5, 10, moins 3. De pi sur T0, il y a 40, 400 pi. Détermination de phi. La tension UT est en avance de phase par rapport à IT. Et la phase de UT est nulle. Donc, phi est négatif. Justification, phi négatif. Donc, phi, il y a moins pi sur 4. I, M, max, la relation U, R, M, il y a R fois I, max. Donc, I, max, il y a 0,15 ampères. Finalement, ah non, on a I, max, on a la valeur d'IL, ou phi, on a la valeur d'IL. Montrer que le circuit est dans un état de résonance électrique. Pour montrer que le circuit est en résonance, on montre que Z égale à R. Yani, dima hadi haya bayna f sirtelkom anna Z égale à R, yani résonance. Le voltmètre indique entre les bornes de la résistance R, UR, chhat yatayna. Yatayna annahu UR, ya R, IF égale à 3. Volt. Donc, I
F هي 0,15 أمبير. الإمبيدانس Z دو دي بول est telle que UAP égale à Z fois IM بحيث R égale à Z. D'où Z هي 28,3 Ohm. On constate que R plus petit r, il y a 20 plus 8,3 égale à 28,3. On déduit que Z égale à R, le dipôle, et à la résonance. La valeur de L à la résonance L oméga égale à 1 sur C2 oméga. Donc L égale à 1 sur C2 oméga au carré. Donc oméga y est 2 pi n, y est 2 pi sur t. Donc L, l'application numérique, ce sera l'origine de L, il y a 63,3 MH. Exercice 3, mécanique. La balle de tennis dans le champ de pesanteur. Principal. D'accord. Établir la trajectoire, c'est-à-dire le bilan des forces. Deuxième loi de Newton, P égale à MG. Donc MA, A égale à D'où A égale à G. Condition initiale, AT égale à 0, OG. X égale à 0, Z égale à 0. Donc G, G, il y a GX égale à 0, ou GZ égale à moins G. V égale à V0 cos alpha, ou V égale à V0 sinus alpha. Il y a qu'à dire projection suivant Y ou suivant X. D'accord? On projette 1 sur l'axe OX. Il y a l'axe OX. AX égale à 0. Le mouvement est uniforme sur l'axe OX. Il y a ni suivant. La vitesse est constante. Il y a la dérivée de la vitesse. L'équation horaire x de t, il y a v0 cosinus alpha t. On projette sur l'axe OZ. OY égale à moins g égale à constante. Le mouvement est rectiligne, uniforme, varié sur l'axe OZ. L'équation horaire z de t, il y a 1 sur 2 az t au carré plus v az t plus Z0. Il a reçu ce fait moi, dérivé où je le marras, il y a l'accélération. Donc Z de T, il y a moins 1 sur 2 GT au carré plus V0 sinus alpha T. On élimine le temps entre les deux équations horaires. Donc X, il y a V0 cosinus alpha T. Donc T, il y a X, V0 cosinus alpha. Ensuite, Z de T, il y a moins 1 sur 2 G, X sur V0 cosinus alpha cosinus au carré, plus V0 cosinus sinus alpha sur X, V0 sinus alpha. Donc, Z moins M2, application numérique, ce sera comme Z de T, il y a moins 5,8, 10 moins 2, X au carré, plus X. N'est-ce pas, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, ou vérifier. Deuxièmement, le joueur peut intercepter la balle. Calcul de Z pour X égale à D plus petit t, avec D égale à 13 mètres et petit t égale à 1 mètre. Je vous le 9 les données. Ah, on a 9 les données. Dis-moi, tu peux les données comme il faut. Donc, Z égale à Naya ou X Ya. Alors, on a Naya. C'est ce que je veux dire. Z Kpir. On constate que Z plus H supérieur à grand H est à 3M. Donc, l'adversaire ne peut pas contrer la balle. Troisièmement, montrer que la balle tombe dans la zone B. Il y a la petite vérification. Lorsque la balle touche le sol, son ordonnée sera Z ou moins H. On remplace dans l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est très bien. Parce qu'on peut tout le marouf, il faut que nous nous marouf de bouton. Mais je trouve tout très bien les exercices suivants, les questions suivantes. Donc, cette équation admet deux solutions. C'est ça, vous avez deux solutions. L'équation est indique que la racine delta sur 2a, racine delta, c'est très bien. Qu'est-ce que x1 ou x2? X2 négatif. L'abscisse du point de chute est x ou à 17,83 mètres. Maintenant, la 58. Pour que la balle tombe dans la zone B, il faut que son abscisse appartienne à l'intervalle x inférieur à s plus l. Il y a 12, 13, 25. شوف هذا الشيما الله يرحم الوالدين شوف هذا الشيما حط قدامك الشيما وانا ليزي شي شويه ما تعطلش في الانيز ديالك ولكن حاول تفهم
الكونسيبت راه ديما هو هذا ديال هذا الشيء ديال البروجيكتيل وهذه الأسئلة بحال هذا. Question 4, sa direction par rapport à la déterminante coordonnée de VG. Soit T, la date de chute et X1, l'abscisse du point de chute. X1, il y a V0 cosinus alpha T. Donc T1, il y a X1, il y a ce qu'on a fait là. Sur l'axe OX, sur l'axe OY. Projection, il y a qui fait ce qu'on a fait là. Donc VZ, il y a moins 9,55 mètres seconde. Moins 1. La direction du vecteur vitesse VG est telle que tangente bêta VZ sur VX, il y a moins 9,31 sur 9,19. Donc bêta, il y a 46,1. La vitesse VG fait un angle de 46,1% avec l'axe horizontal. La valeur limite de V0. Les deux valeurs limites, voir pour que la balle tombe dans la zone B, il y a de la zone AD, il faut les conditions X, D plus grand L ou Z qu'on égale à moins H. On remplace dans l'équation de la trajectoire, l'équation de la trajectoire, on fait le calcul direct, V0 égale 15,44 mètres secondes moins 1. Pour que la balle passe au-dessus de l'adversaire sans qu'il puisse la contrer, il faut que X égale T plus petit t, ou Z plus H égale à grand H. Et il faut que nous voyons la hauteur de H. On remplace dans l'équation de la trajectoire, il y a une case de X ديالك les abscisses ديالك تلقى V0 ها هي عاوتاني الكونديسيون عليها دونك V0 l'application numérique 12,81 mètres secondes moins. Exercice 3, l'étude du pendule pesant. Pendule simple, pendule pesant, ومحنا معاهم كلهم. Cas de régime périodique, عاوتاني le bilan des forces بين pesanteur P R. On applique la relation fondamentale de la dynamique. Alors, M, moment de P, moment de R égale J delta theta 2 points. Avec M de R égale à 0, M de L point égale à moins M, MG, D. Où D est L sinus theta. Alors, bien, le graphe, là, la figure 1. Pour les petits angles, sinus theta, là, il y a theta. اللعبات بحال هادو معروفين دونك ديما بعدا هادي باش تخرج لك هاد ليكواسيون ديفيرونسييل هي تيتا دو بوين بلس ام جي ال سور جي دلتا تيتا ايغال ا زيرو. دوزيام كيسيون عطاونا لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسييل لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسييل ها هي تنديرو لا ديريفي بروميير لا ديريفي سكوند Chandiro, ça n'a pas de l'équation différentielle trouvée à la première question. Ou quand nous sommes à la theta, est différent de 0, qu'est-ce que je veux dire? D'où 2π sur t0 égale la racine de mgl sur j delta. Donc t0 égale à 2π, la racine de j delta mgl. Troisième question. Analyse dimensionnelle, moi ben non, ça que tu trouves qui me fait trouver un ailleurs. T0, on a le temps. La valeur de J delta. On a T0, il y a 2π la racine de J delta sur MGL. Graphiquement, on a T0, on a tout choisi le graphe. T0, il y a 0,7. 0,1, 0,3, 0,7 plus ou moins c'est bas. Donc J delta égale 2,1 10 moins 2 kg mètre au carré. L'expression de l'énergie de l'oscillateur. L'énergie cinétique de l'oscillateur s'écrit sous la forme l'énergie cinétique qui est 1 sur 2 J delta theta point au carré. Mais linéaire, il y a un mot theta. D'accord? On remplace sinus au carré, il y a 1 moins cosinus au carré, parce qu'il faut savoir que sinus au carré plus cosinus au carré égale à 1. Donc, ça n'a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a application. Je vais dire les relations, je vais dire la maths, je vais dire le stylo.
on obtient EC I 1 sur 2 MG L θ M au carré ou 1 θ au carré. La question graphiquement entre θ M, θ max, il y a I 1, 2, 3, il y a 0,13 rad dans la position d'équilibre stable θ égale à 0. D'où EC, ça sera au dos, θ max, θ 0 égale à 0. Donc EC est 1,66 10 moins 2 joules. Après la variation de l'énergie mécanique dans le cas du régime pseudo-périodique. L'énergie potentielle, il y a MGZ plus constante. EP 0 égale à 0 pour Z égale à 0. Donc la constante égale à 0. Donc EP égale à MGZ. Stop. Avec Z, il y a L1 moins cos θ. Même schéma. Pour les petits temps, cosinus θ égale à 1 moins θ au carré sur 2. Dima, c'est ce qu'on a fait. Donc, z égale à lθ au carré sur 2. Donc, EP égale à mg lθ au carré sur 2. Variation de l'énergie potentielle, dérivée de l'énergie potentielle, il y a EP T1 moins EP T0. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? L'angle T1 ou l'angle T égale à 0. T égale à 0, qu'est-ce qu'on a fait? Θ max. Donc, il y a l'expression de la variation. On constate dans le graphe que θ est max aux instants t égale à 1, t égale à t1 et t égale à 0. Il dit qu'est-ce qu'on maximal t1 ou t égale à 0. Donc, les instants, l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'on nulle? Il y a l'énergie cinétique égale à 0. Donc, la variation de l'énergie mécanique, il y a la variation de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, et il y a la variation de l'énergie potentielle. Il y a t égale à 0, on a θ égale à θ m égale à 0,13 radians, ou t égale à t1, θ égale à 0,05. Donc, comme l'application numérique, la variation de l'énergie mécanique, il y a moins 141, 10, moins 2 joules.